Bonjour à tous, on est dimanche, je sais pas combien. On est le combien? 28 novembre, 29. Et on a Lilou qui est en train de nous fabriquer quoi? Un sapin. Un sapin de Noël. Alors cette année, on a décidé de faire un sapin en bois plat, comme on n'a pas beaucoup de place au chalet. Tu peux pousser la table carrément, si tu veux. Et donc, on a coupé les branches tous les 10 cm. Alors le premier fait 15, 25, 35, 45, 55 et tout. Jusque là. On va récupérer un petit pot pour planter le pied dans le sapin. Et après, on va décorer le sapin. On vous montrera la déco. Oui, il est là, le pot. Fais attention, il est un peu abîmé. Le casse pas. Et donc, Lilou, tu fais quoi alors? T'accroches les... bois. Voilà, les bois. Et puis, c'est Lilou qui a tracé là-bas, avec son crayon et son maître. Elle m'a même aidé à couper. T'as aidé maman à couper quoi? Celui-là, j'ai coupé tout seul. À la scie, voilà. Elle apprend à se servir de la scie. Bravo, Lilou. Bonsoir, enfin bonjour, bonjour. On est mardi 2, 1er décembre. Je moi les dates, c'est noir en ce moment. Il est assez tard le soir et je vous prends en fait pour faire une vidéo de présentation de ce que je fais en ce moment. Donc voilà, alors on vous a fait une petite vidéo avec Lilou du sapin qu'on est en train de réaliser. J'ai fait quelques photos que je vous mettrai avant cette partie. Voilà, je vais vous filmer de temps en temps des choses. Au fur et à mesure, on verra bien. Bon, bah là, je voulais vous présenter surtout mes créas. Sachant que je suis pas chez moi, donc j'ai pas grand chose pour scraper. Honnêtement, j'ai le massicot, enfin tous les trucs de base. J'ai pris mon massicot, la colle, la règle, un cutter, un plioir, deux, trois trucs comme ça. Et du papier. Voilà, c'est tout. Vraiment, j'ai le minimum. Donc voilà. Donc, j'ai décidé de faire un journal de décembre que je vais vous présenter ici. Donc, j'avais un cahier qui traînait dans mon sac à main. Un cahier au cas où, voilà. Bah, du coup, ça va être mon December Daily. Donc, c'est un cahier ligné que j'avais pris chez Action il y a déjà bien longtemps. Donc, voilà, il a tous des pages lignées. Donc là, j'ai fait juste la couverture pour aujourd'hui. Bah, j'ai fait ça ce soir. Donc, j'ai marqué journal de décembre 2020. J'ai fait quelques flocons et quelques décos au stylo noir parce que j'avais un stylo noir. C'est tout ce que j'ai. J'ai même pas mes postcards, rien du tout. Je vous dis, j'ai très peu de matériel. Ici, j'ai quand même fait une petite pochette à la dernière page pour faire un insert, quoi. Et voilà. Après, c'est assez simple. Comme je vais le promener dans mon sac à main et tout, je compte le plastifier quand même. Et puis, je ferai la page d'aujourd'hui, ben demain, parce qu'aujourd'hui, en fait, j'ai fait de la pâtisserie, j'ai fait des gâteaux, j'ai fait des sablés. Et j'ai commencé, enfin, j'ai fait une préparation pour faire des truffes qui est au frigo et je ferai les truffes demain avec. Donc, voilà. Je vais aussi faire des pâtisseries de Noël. Moi, j'aime bien pâtisser, vous savez. Donc, là, je suis pas chez moi, je suis chez une amie. Et du coup, j'en profite parce que j'ai un four. Donc, voilà. Donc, alors, je vais commencer par vous présenter ce que j'ai fait hier. Donc, hier, en fait, j'avais une boîte à thé qui était vide, comme ceci. Donc, j'ai décidé de la décorer pour y mettre des petits gâteaux, des petits chocolats. Voilà, les choses que je suis en train de faire à offrir. On a une tasse de chocolat. J'ai pris du papier noir, du bloc noir et blanc d'Action de l'année dernière, je crois. Voilà, et j'ai pris, en fait, j'ai pris soit le papier dans le bloc Action, soit les décos dans les blocs de luxe de l'année dernière. Voilà, j'ai trois blocs de luxe de l'année dernière, et j'ai trois blocs de papier différents, et c'est tout ce que j'ai pris. Donc, voilà. Donc, hier, j'ai fait ça. Donc, j'ai mis un petit rondin de bois, une tasse avec des petits, voilà, des petites, comment... Enfin, des petites gourmandises, quelques pommes de pin et tout. Et là, j'ai rajouté cookies, livraison spéciale, donc spéciale Delivered. Et là, c'est marqué ho 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 en noir. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Donc, elle est assez simple, la boîte. Par contre, pour une fois, au lieu de décorer, voilà, d'habitude, on décore assez souvent. On a tendance à décorer le milieu des boîtes. Et enfin, de mettre du papier, on va dire, comment dire, de mettre un papier de matage comme ça, quoi. Et là, j'ai décidé de faire les matages dans les ongles, en fait. Je trouvais que c'était sympa et que ça changeait. Donc là, on a quelques biscuits, des pains d'épices, voilà. Ici, pareil, et ici, comme ceci. Dedans, elle est assez simple, je ne l'ai pas trop décorée. Donc voilà, pour l'instant, elle n'est pas décorée dedans. On voit encore le orange même du...
de la boîte d'origine. Je sais pas si je vais y laisser ou si je vais le couper. Ça sent encore le thé, ça sent trop bon en fait. Je sais pas si je le coupe ou si je remets un morceau de papier dessus. Je suis en train de me poser la question en fait. Et sur le dessus, c'est pareil. Je vais pas trop décorer. Voilà. Je vais la laisser simple à l'intérieur, on va dire. De toute façon, après, il y aura des petites confiseries dedans. Donc voilà pour la première boîte que j'ai fait hier. J'ai fait aussi une carte comme ceci. Pareil, assez simple. Elle n'a pas trop de déco là-devant. Je pense que j'y mettrai un ruban en fait qui passera derrière et qui tiendra la carte fermée parce qu'en fait, c'est une carte qui s'ouvre comme ceci et comme ceci. J'avais déjà fait un tuto de ces cartes et du coup, je les aime beaucoup. Je les trouve sympas. Voilà, ça change des cartes ordinaires. Alors ensuite, dans ma boîte à thé, je vais vous montrer comme ça. Dans ma boîte à thé, il y avait plein de petites cases comme ceci, on va dire, de petits compartiments comme ceci pour séparer les thés les uns des autres justement. Bah du coup, c'est pareil, je les ai gardés et j'ai décidé de les customiser. Pour l'instant, j'ai juste mis du papier déco noir autour. Selon ce que je mettrais, je ferai la déco par rapport à ce que j'y mets. Je sais pas si j'y mettrais des chocolats ou des choses comme ça. Dans un petit sachet, ça peut être sympa, voilà, pour offrir aussi. Et alors là, je suis en train de faire un projet un peu plus gros. Sachant que je n'ai pas de machine de découpe, je n'ai pas de dies, j'ai rien de tout ça. Je tiens à le préciser parce que j'ai vu plein de tutos, mais avec des machines de découpe. Donc, je suis en train de faire une tasse, comme ceci. Voilà. Donc, j'ai fait une grosse tasse. Elle est assez grosse, hein, si vous voyez par rapport à ma main. Voilà, elle est assez grosse. Avec une soucoupe rouge et noire, voilà. Dans laquelle je vais mettre plein de petites... je vais faire comme une lodie d'enveloppe. En fait, il y aura plein de petites surprises sur le thème du chocolat gourmand ou voilà, un peu pour le goûter, pour un goûter gourmand, on va dire. Donc, j'ai fait une petite paille décorée juste avec une chute de papier de la tasse hein, et un petit dice cut où c'est marqué joie. Donc, voilà. Et avec un vieux sachet, non, avec un sachet de pain. Alors là, c'est pareil, hop. Avec un sachet de pain que j'ai récupéré, que j'ai redécoupé en plus petit. J'ai fait une petite déco comme ça sur le côté. Là, je vais glisser des gâteaux à l'intérieur. Donc, c'est le sachet de pain vraiment... comment ? J'ai mis un bout de washi. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Là, j'ai mis un bout de washi pour le refermer puisque je l'ai redécoupé en 4. Donc, je pourrais faire 4 petits sachets. Ensuite, j'ai mis des petits bords rouges comme ça ici et ici. Ensuite, je vais le replier comme ceci quand j'aurai fait les gâteaux. Et après, j'ai prévu d'y mettre... on va mettre comme ça. Tant pis si ce n'est pas tenu. Vous allez voir l'idée. Voilà, j'ai fait ceci. Donc, il y a une petite pince à linge avec un ho-ho-ho. Ça, c'est des bandelettes pour faire un peu comme le bolduc des choses qu'on peut offrir à Noël. Mais en fait, c'est des bandelettes de papier blanc que j'ai découpées dans du papier assez épais blanc. C'est pareil, c'était dans des chutes. Et là, il y a une petite pince à linge, donc hop, alors attendez, hop, puisque rien n'est collé, voilà. Là, j'ai fait la petite pince à linge, et après, j'ai mis la petite déco comme ça. Et en fait, je ne voulais pas coller sur le sachet, pour la simple et bonne raison que l'école, il y a quand même des solvants, ou voilà, c'est pas très naturel. Et comme je vais y mettre de l'alimentaire, ça m'embêtait de coller le sachet vraiment, de mettre de la colle ou un produit, voilà, toxique, quoi. Ah non, faut peut-être pas que je replie à ce point-là. Oui, de mettre un produit toxique, voilà, ça m'embêtait. Et donc, j'ai marqué un petit message, c'est marqué « La gourmandise est un joli défaut ». Voilà, j'ai envie de marquer une petite phrase un peu rigolote. Je trouvais ça sympa. Donc voilà, il y aura un petit sachet, peut-être avec quelques gâteaux. Et puis, je pense qu'il y aura de quoi faire un chocolat gourmand ou un café gourmand. Alors, soit j'achète soit je vais mettre dans des petits sachets que je vais décorer, pareil, on va dire, admettons, 2 cuillères de chocolat en poudre, des Smarties, plein de petites choses, enfin, pour faire le chocolat gourmand. Soit un café gourmand, un cappuccino gourmand, enfin, ça dépendra si c'est pour des enfants, des adultes, voilà, à qui je vais offrir ça. Et donc, ça va faire, ça sera assez sympa. Pour l'instant, la tasse, elle ressemble à ça, avec mes deux décos, là. Bon, après, quand il y aura les gâteaux et tout, ça tiendra un peu mieux, puisque là, le sachet, il a un peu du mal à tenir, mais bon, voilà. Donc, voilà, je trouvais ça sympa comme idée de présentation de petits cadeaux à offrir, voilà. Même si c'est... Enfin, comment dire. Bon, enfin, ça m'occupe la journée, hein, puisque vous savez, on est toujours confinés, donc les journées sont parfois un peu longues pour moi. Donc, voilà, donc je m'occupe au mieux.
Donc ça me fait faire de la pâtisserie pour remplir mes petits sachets. Puis après, quand la pâtisserie j'ai fini, ben, j'attaque du scrap comme ça, voilà. Enfin bref. Du coup, ben, j'ai pas eu le temps d'écrire sur mon journal de décembre. Et en fait, alors j'ai pris un cahier ligné, puisque vous allez remarquer que devant, il y a des dessins. Je dessine beaucoup en ce moment, parce que j'aime bien ça aussi. Et puis, du coup, j'ai pris un cahier ligné parce que, alors, soit je vais peut-être dessiner des choses, mais je vais aussi écrire les recettes que je vais faire au fur et à mesure des jours et tout. Alors, du coup, ben, par exemple, aujourd'hui, j'ai fait deux recettes. Si j'écris mes deux recettes, plus comment dire, plus un peu ce que j'ai fait de ma journée et tout, ça se trouve, ça fera le 1er décembre, il fera deux ou trois pages. Enfin, voilà, il y a peu d'importance. J'ai pris un cahier et voilà, je compte mettre plusieurs choses. C'est pas vraiment un daily décembre artistique, un peu quand même, parce que voilà, je vais y faire des choses. Voilà, je peux y mettre des petites cartes ou des petites choses. Enfin, d'ailleurs, pour cette fois-là, je comptais un sachet, garder un sachet comme ça, le mettre dedans, et puis par exemple, écrire ma recette à l'intérieur. Voilà. À l'intérieur, parce qu'en fait, il y a un morceau transparent. Du coup, je me disais que dans le transparent, je pouvais mettre ma recette collée à l'arrière. Voilà, pour mon journal de décembre, voilà, ça sera pas que un journal de décembre, ce sera pas non plus un bullet journal, ça sera un peu un mélange de tout ça. Ça sera aussi un journal intime en même temps. Enfin, voilà, ça sera un peu un mélange de tout ce qu'on peut faire. Voilà, ce sera pas un bullet, enfin, ce sera pas un bullet, ce sera pas un daily December classique. Ce sera vraiment mon journal de décembre que j'investirai comme je le souhaite. Et c'est pour ça que j'ai pris des feuilles lignées. Voilà. Parce que si un jour j'ai pas envie de mettre plus de déco que ça et tout, je peux juste écrire. Si un jour je veux faire que du dessin, bah, je ferai du dessin et ainsi de suite. Voilà. Et du coup, c'est pour ça aussi que je n'ai décoré aucune page pour le moment. J'ai aucune page de décorer parce que je compte faire mes pages les unes après les autres, vraiment. Les autres années. Enfin, l'année dernière, quand j'ai fait mon daily December, j'ai tout décoré. Et puis, du coup, des fois, il y a des choses qui me plaisent moins selon les jours. J'ai mis des décos qui ne correspondent pas forcément à ce que j'avais fait. Ou voilà. Du coup, j'ai décidé de rien décorer du tout cette année et d'y aller vraiment au fur et à mesure et de le remplir en rapport avec ce que j'ai fait dans la journée. Voilà. Ben voilà pour aujourd'hui. Petite vidéo blabla. Et puis pour vous donner surtout des nouvelles. Donc ce week-end, on a fait le sapin avec les filles, j'étais super contente. Lola a des lunettes, on a été lui chercher samedi à l'opticien. Et puis voilà, sinon tout le monde va bien. Là, les filles, elles sont ben, chez leur papa, parce que pour l'instant, ben, j'ai toujours pas d'appartement. Moi, je suis chez une copine qui est partie, enfin chez une amie qui est partie en vacances. Donc je garde son chat, donc j'ai son appartement. Et du coup, ben voilà, ça me fait quelques jours de vacances, on va dire. Pas très loin de là où je suis d'habitude. Enfin bref, voilà. Enfin vraiment pas loin, hein. Ça doit faire... je sais pas, je dois être à 2 km et demi, 3 km d'habitude au camping où je suis, donc vraiment pas loin. C'est dans la même ville, mais bon voilà, ça fait quand même changer les idées. Et puis ça fait du bien. Bah, j'espère que vous vous portez tous bien, et voilà, et je vous ferai peut-être des tutos, je sais pas si vous en voulez. Au fur et à mesure, ou peut-être des tutos cuisine aussi de ce que je fais. Voilà, et ben je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.